Antoine. Aujourd'hui, on va à Saint-Pierre, on va skater avec l'association Asphalt. Les gars, et du coup là on est sur la route, on approche Saint-Pierre. Je vous cache pas que c'est une vidéo en vlog que je voulais faire depuis un certain moment, donc je suis super excité. J'ai hâte de chiller et de capturer en fait l'ambiance qu'il y a sur le skatepark, parce que je pense que c'est vraiment particulier et c'est quelque chose qu'on va apprécier ensemble. Ok, bah du coup là on est arrivé au skatepark, on est ici à la Ravine Blanche sur le parking du côté de Saint-Pierre. Ça c'est le skatepark derrière moi, il est composé en deux parties et il y a David de l'association Asphalt qui va nous en parler juste maintenant. Okay, alors on est là avec David. Comment ça va David? Ça va très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du skatepark qu'on a ici dans le sud? Alors on est sous le skatepark de la Ravine Blanche à Saint-Pierre. C'est un skatepark qui fait 1000 mètres carrés, qui est divisé en deux parties. Nous avons le bol, ensuite dans la partie street, qui est censée représenter un petit peu la rue, avec des petits trottoirs, des bancs, des courbes aussi, une pyramide au cas où. C'est Laurent, je suis là. Wouhou. Ça va toi? Elle est là ou même? Cool. En fin de compte, David me disait, toi t'es aussi moniteur ici à Asphalt, c'est ça? C'est ça, là ça fait 2 ans du coup que je donne des cours avec Asphalt, en tant que moniteur bénévolement. Moi du coup ça me plaît parce qu'à côté de ça je suis éducateur, c'est mon cœur de métier, je suis moniteur éducateur et du coup j'aime bien le skate parce que c'est un support que je trouve intéressant du coup pour pouvoir véhiculer des valeurs aux jeunes et du coup c'est ce que je fais. Bon, maintenant, est-ce que c'est pas l'heure de montrer ce que tu sais faire là? Ah, mais avant de finir, en tout cas, je voulais quand même remercier ton équipe. Bien sûr. De faire un reportage sur le skate local, ça fait plaisir. Alors, en tout cas, maintenant, on va s'y mettre à skater. J'espère que toi aussi, tu vas s'y mettre. Ah, bah tiens, moi je suis prêt, moi. Moi j'ai pris les rollers, là, je les ai achetés la semaine dernière, allez, on va skater. Go. Je suis dans un pop. Quand tu les pop. Je suis dans le pop. Béton dans le bloc. Les rues de Mont-Saint-Louis, c'est un film de Besson. Boubacaris tous les jours dans nos blocs de béton. Je traîne de Saint-Louis à la rivière. Petit vendeur de crack au fond de la ceinture parisienne. Monte dans les topades, pas régime. Demande à Fab, pilote gros cul, pilote même régime. Passoir où je réside, présent pour la pire. Au gros gorge comme Cigogne, comme Cyborg et ce docteur Giro. Protège ton plein, je te le braque, c'est le sport. Protège ton plein, je te le baisse, c'est le sport. Pour ça que je m'habille, j'ai pas tel store. Quand on arrive, les renois baissent les stars. Comme si la miette devient terminable. Fais ça comme l'imam, gros. Qui sont comme minage, je dois l'image. Moté répète qu'il faut garder l'image. L'équipage sur terrain, observe le match de putain de virage. Ma pute est snob. Dans la cabine, poster de pop. Il faut ma truck. J'suis en fumette, j'ai vu le doc. Quoi fait les gars, c'est quoi l'ambiance à terre là? Ben là, c'est bien, y'a pas mal de gars sympas. Ils font du skate aussi, ça fait plaisir parce que d'habitude il y a beaucoup de trotty riders. Ouais. Et non, là l'ambiance est fat. Hein. Cool. Quoi fait ton après-midi? Bah, la même chose. Hein. On arrive, il y a tous les gars sur le parc. Il y a un gars qui plaque un gros trick. Après, tout le monde plaque son gros trick. Ça part en pogo et c'est la fête. Ça fait 10 ans que c'est comme ça. C'est trop bien. 11. Allez, pas 10. 11. Je me vieillis un peu. Non, 12. Bah non, moi ça fait 11 ans que je skate. Et toi, ça fait 12 ans et demi que t'es né, c'est pas pareil. Raconte un petit peu, t'es qui? Bah, je m'appelle Rodrigue, ça fait environ 6-7 ans que je skate. Et bah, je fais les compétitions et du coup, il y a pas longtemps, il y a environ 3-4 ans, je partais au championnat de France. Et ouais, bah du coup, c'était super cool, c'était une bonne expérience. On est allé à Barcelone, skater un peu dans la rue. Et puis dans la rue, c'est le skate qui a débuté là-bas, quoi. Mmh. Est-ce qu'il y a des gars qui jouent aux jeux vidéo terre là? Ouais. Vas-y, raconte. À quoi je joue? Ça fait 10 ans que je joue à Skate 3. Toi, Rodrigue, quoi tu joues? Moi, Mario Kart 7. Mario Kart 7, allez. Et sinon, un peu Fortnite. Fortnite, hein? Ouais. Mais j'ai pas de PS4, du coup, je peux pas jouer à Skate 3. Ah, fais chier. Je fais dans la vraie vie. Skate 3, c'est sur Play 3, Rodrigue. J'ai pas. Y'a une Play 3, ça coûte 50 euros sur le bon coin, mec.
tu vends un skateboard que tu rides plus, t'achètes une Play 3 avec Skate 3. Et du coup Fortnite mais pas LOL. Non. Non pas de LOL. C'est nul LOL quand même. Hein. Tu préfères Dota comme moi? Ouais. Écoutez quoi un peu ce temps-ci? Bah rap. Du rap quoi? Orelsan. Quand t'écoutes, t'es plutôt sur YouTube, t'es sur quoi? YouTube. YouTube, ouais, pas de Spotify, pas non. De. Non, mon père est sur Spotify, mais moi. Non. D'accord. YouTube. Et toi, Nathan, tu écoutes de la musique? Tu écoutes oh, la quoi vache. La musique. Toi, t'écoutes du grunge, toi? J'écoute vraiment plein de sons de plein de genres différents qui n'ont aucun rapport. Ça peut être du rap US, genre ASAP Rocky. Et la prochaine chanson, c'est la SketchUp. Du Madonna, j'ai Lily Allen, j'ai Nekfeu, n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des marques de fringues, de sneakers, de train à coma qui vous râlent un peu ce temps-ci? Alors moi, c'est Emmaüs. Des pantalons sans boutons et des lacets pour les attacher parce que ma ceinture, elle est dead. Ouais, en planche plutôt. Hein. En skate, les bonnes marques, là, j'ai une primitive. Petite primitive Brian Peacock. Primitive, c'est j'aime bien. Sinon, il y a aussi le chat qui fait un donner là, c'est quoi ça? Le chat? Ah, Rip and Dip. Ouais, Rip and Dip. Là, je skate Zouyor. J'aime bien aussi mon grip Arbuk. Sinon, ouais, les shoes, bah Nike. Hein. Faudrait qu'ils laissent les skateurs cotiser l'euro tous les mois pour l'électricité pour qu'on puisse faire des sessions jusqu'à 4h du matin. Bah, frère, les gars, merci beaucoup pour votre temps, rien. Les gars. On, bah, de rien beaucoup, on, hein. On va se remettre à skater alors. Ah, moi, je vais surtout rentrer ma case. Ça va fêter les examens. Un coup ça. Ok, alors je vais juste vous présenter ce gars-là, c'est Cosmo974 sur Instagram. Chaque mois, il vous fait une playlist hyper hype. Il y a du son US, il y a du dancehall, il y a du son international et local aussi ici à La Réunion. Et la playlist est complètement pétée et ça se passe sur, ça se passe en fait sur Spotify. On vous mettra les liens dans les commentaires. Donc allez checker Cosmo974. Allez checker les gars. Voilà les gars, c'est la fin de l'après-midi ici sur le skatepark de La Ravine Blanche. Si vous voulez faire du skate, du roller, de la trottinette, ça se passe avec l'association Asphalt, on vous la met en commentaire. Moi, je vais me rentrer sur la possession, je vais passer une superbe journée et j'espère vous revoir prochainement pour une nouvelle vidéo et un nouveau vlog.